laver un peu de rosé d'eau. Impossible de rester ici, il pleut. Coucou, Tapchou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Tobichou. Vous allez bien? Vous m'entendez? Il y a le son? Dites-moi si vous m'entendez. Hein? Envoyez les cœurs si vous m'entendez. Allô? Vous m'entendez? D'accord. Bon, j'espère que vous allez bien. Papotons un peu, on discute un peu sur le cas de notre soeur Nicole Kecha, qui subitement dit qu'elle abandonne les clashs. Elle a arrêté le combat que nous tous nous connaissons. Donnez vos avis. Est-ce qu'elle a pris une bonne décision selon vous? Moi, je voudrais donner un peu mon avis sur la décision qu'elle a prise là. À mon avis, cette décision, elle devait la prendre depuis. Elle devait quitter les clashs depuis. Parce que beaucoup de gens ont attiré son attention. Les gens lui ont dit, laisse les clashs. Elle ne voulait pas laisser. Au jour d'aujourd'hui, elle dit qu'elle abandonne les clashs. Est-ce que les gens qu'elle combattait alors, est-ce qu'eux, ils sont prêts à abandonner comme elle a dit qu'elle abandonne? C'est ça la question. Elle a causé beaucoup de dégâts, non? Est-ce qu'on peut quitter la guerre comme ça, là? Quand tu as commencé à combattre les autres, tu as tué, tu as fait du mal aux autres. Et là, toi, tu prends la décision que tu abandonnes. Est-ce que ceux-là vont abandonner aussi?
C'est ce qu'elle aurait pu penser depuis que de faire tout ce qu'elle faisait là, les clashs même qu'elle faisait là, ça servait à quoi? Une jeune fille comme elle, elle vient en Europe se chercher, elle se met à faire toute la saleté qu'elle faisait là. Ça va la suivre, hein? Ça va la suivre jusqu'à sa vieillesse, tout ce qu'elle a fait comme dégâts là sur Facebook, même sa petite fille qui est en train de grandir là. Demain, sa fille va voir ses vidéos. Qu'est-ce qu'elle expliquera à sa fille? Tout ce qu'elle faisait là, ça lui servait à quoi? Pour dire aujourd'hui qu'elle abandonne. Elle abandonne pourquoi? La raison, c'est laquelle? Elle a une pression. On lui fait une pression pour qu'elle abandonne ou alors, je ne sais pas. Ouais, elle avait dit que elle a le dos. Elle a le dos large. Quand je la voyais dire, j'ai le dos large et j'ai les gens derrière moi. J'ai les gens derrière moi. Les gens derrière toi qui sont dans l'obscurité, ils sont là. À longueur de journée à t'encourager. Toi, une petite fille comme ça, on t'encourage dans la bêtise et tu t'exposes, faire des choses. J'aimais cette petite fille, hein. Je l'aimais beaucoup. J'ai eu à discuter avec elle plusieurs fois à Nimbos. Je lui donnais même les conseils comme ça, là. Surtout quand je l'entendais parler l'italien avec sa petite fille. Je me suis rapproché d'elle, je lui ai demandé, tu vis en Italie, dans quelle ville? Elle m'a dit, et moi je lui ai dit que je vivais en Italie, à Turin. Je lui ai dit, cherche à avoir tes papiers et tu pars de là. L'Italie, c'est vraiment un pays très, très dur là-bas. Quand tu es là-bas, le boulot, la vie là-bas, c'est dur. Ce qui est facile à l'Italie, c'est les papiers, mais. Je lui ai donné ses conseils. Quand je l'ai vue s'égarer comme ça, là, elle a commencé à insulter ses grandes soeurs, ses mamans. Moi, je ne suis plus jamais entré dans ses directs. J'ai eu très, très mal pour elle parce que. Non, mais quand je dis petite fille, c'est par rapport à moi, par exemple. Elle est petite par rapport à moi. Elle n'a pas mon âge. C'est vrai qu'elle n'est pas une petite fille, mais par rapport à moi, elle est petite. Franchement, j'ai toujours. En fait, moi, elle me fait trop de la peine. Franchement, trop de la peine. Et je me suis toujours dit que sûrement, il y a quelque chose en elle qui ne va pas. Il y a quelque chose. Déjà que elle a ce problème d'incompréhension des dits. Parce que moi-même plusieurs fois à Nimbos, quand je l'écrivais, dès que je vois que ça repose, je parle, je la reprends, je dis, hey, c'est quoi ça? Est-ce que tu as même bien lu mon message? Ça, c'est qu'elle repose. Elle me dit, hey, excuse-moi, maman, j'ai. Donc, en fait, je pense qu'elle a un sérieux problème, franchement. Et moi, à partir de là, elle me faisait trop de la peine. Elle me fait de la peine, vraiment. Dit que je la déteste, non. Elle me fait beaucoup de la peine, j'ai même beaucoup pitié pour d'elle. Parce que quand tu vois déjà, parce que moi, j'ai vécu en Italie, je connais l'Italie. L'Italie est dure, hein. L'Italie est dure. Quand tu es en Italie, c'est comme si tu étais même au village comme ça, là. La vie en Italie, c'est pas facile, hein. Rien que déjà, ça peut disjoncter dans sa tête comme ça la vie de l'Italie. Tu es abandonné à toi. Déjà, il faut apprendre la langue, il faut aller à l'école, il faut avoir le diplôme. Il faut avoir le diplôme pour avoir leur nationalité. Tu pas fait la comment on appelle ça, licence média. Moi, je suis reparti à l'école en Italie. Pour qu'on me donne ma nationalité italienne, je suis partie, malgré que j'étais mariée avec un Italien. Mais il fallait partir à l'école italienne, licence média, si c'est quoi média, hein, tout de. En fait, j'ai eu ce qu'on appelle la licence média. L'école, là, je ne me souviens même plus comment on appelait cette école. Donc, tu dois passer à cette école. Il y a un certain nombre de
comment on dit ça, les langues, que tu dois prouver que tu parles correctement italien et que tu sais écrire la langue italienne. Il y a un certain nombre qu'on évalue avant de te donner ce diplôme. Donc, quand je la vois comme ça, je vois qu'elle n'est même pas prête à ça. Parce que déjà, quand elle parle même l'italien, elle ne parle même pas bien l'italien. Quand moi, je l'entends parler l'italien avec sa fille, pour une personne qui a déjà mis, si c'est 8 ans, comme on dit qu'elle a déjà mis 8 ans en Italie, elle est là comme une personne qui vient d'arriver. Alors, pour aller à cette école, avoir son diplôme, pour avoir les papiers, ça sera compliqué pour elle. Comment tu es dans une telle situation? Mais c'est toi qui allumes la caméra pour insulter une grand-mère. Rien que ce péché-là. Elle fera comment pour enlever ce péché-là sur elle? Une grand-mère jusqu'à porter les couches, jusqu'à faire... Ouais, Seigneur, comment une personne peut s'égarer comme ça, là? Sérieux. Nicole, qui était déjà loin, on la voyait comment elle brillait. Elle était vraiment... C'est-à-dire, quand tu la voyais, moi, je l'ai contactée plusieurs fois dans son inbox. J'ai dit, Nicole, tu es devenue belle. Garde ton teint, surtout quand elle utilisait les produits de... Et il y a une marque là. Il y a une marque là qu'elle utilisait. J'ai dit, ne laisse pas l'huile là, ça te va très bien. Ça nettoie ta peau en profondeur. Continue comme ça là. Tu es vraiment, tu as changé, tu te coiffes bien. Tu es bien. Mais regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Regarde, est-ce que c'est un exemple? C'est ce que nous devons montrer à nos soeurs qui sont restées en Afrique, ce genre de comportement. On te voit, tu étais déjà en haut comme ça. Après une fois, vous, tu redescends juste pour les conneries de Facebook. Parce que tu es là pour insulter certaines personnes. Tu es là pour insulter les gens, pour faire plaisir à certaines personnes. Qui te pousse, comme je l'entendais dire, j'ai des gens derrière moi, j'ai les mamans derrière toi. Mais les mamans-là, si t'arrive quelque chose demain, ces mamans-là ne pourront rien faire pour toi. Elles sont dans l'ombre, il va t'arriver quelque chose demain, tu seras abandonné à toi-même. L'Europe, c'est comme ça. Hein? Il faut être bien avec les gens. Vraiment, il faut être gentil avec les gens. C'est par rapport à ton comportement que demain, si t'arrive quelque chose, tu vas voir comment les gens vont se réunir et dire que oui, cette personne quand même était une bonne personne. Essayons de faire quelque chose pour elle. Mais avec ce genre de comportement, surtout avec tes soeurs, comment, si par exemple quelque chose t'arrive là-bas en Italie, qui sera là auprès de toi? Est-ce que tu as pensé à ça? Donc, moi, je dis de jamais tard, si elle a pris vraiment cette décision, que ça vient du fond de son cœur, c'est une bonne décision qu'elle se remette en question, tout simplement. Elle se remet en question, mais qu'elle ne recommence plus, même si elle, parce que là, elle aura des attaques. Les gens vont l'attaquer. Les gens vont la ramener dans ça que, oui, comme tu avais fait, tu ne vas pas, tu ne bouges pas. Mais qu'elle sait le cœur, qu'elle ne réponde pas à ces gens-là. Parce que plus elle va répondre à ces gens, elle va revenir dans le clash sans se rendre compte. Elle va revenir dans le clash sans se rendre compte. Donc franchement, je ne sais pas si elle m'écoute. Nicole, si tu as pris, si cette décision te vient du fond du cœur, maintiens-la et sors de là. Ce n'est pas une bonne vie, les clashs. Ça ne te rapporte à rien. Regarde ce que tu es devenu à cause des clashs. Regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Pourtant, on t'a vu l'année passée. Comment tu étais... Tu étais belle. Tu es devenu, tu as changé devant nous. Mais là, aujourd'hui, regarde à quoi tu ressembles. Et même quand tu portes un beau vêtement comme ça, ça ne reflète pas. Parce que ton cœur, tu as fait du mal aux gens. Moi, je pense même que tu dois allumer ta caméra, Nicole. Allume ta caméra. Tu présentes tes excuses à tous ceux-là que tu as insultés et que tu prétendais leur faire partie de Facebook. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt toi qui es en train de partir. Ces gens-là sont toujours là. Présente tes excuses à tout le monde et tu passes à autre chose. Il n'est jamais tard.
prends ton courage à deux mains, tu allumes ta caméra, vraiment tu présentes tes excuses. Hein. On n'a jamais refusé des excuses. Tu vas demander des excuses à tous ceux-là que tu as fait du mal. Ils vont te pardonner. Nul n'est parfait. Hein. Nous tous, nous commettons des erreurs. Mais le tout, c'est de se remettre en question et de demander pardon et avancer. Demande pardon. Tu avances, tu abandonnes tout ça, Nicole. Tu es trop jeune. Pense à ta fille. Pense à ta fille. Depuis qu'on avait attiré ton attention, que tu dois sortir de ces conneries, que tu laisses ces choses-là. Tu étais là, mon combat, telle chose, mon combat. Dès qu'il y a un dossier sur Facebook, Nicole a déjà pris ça. Nicole est déjà sortie. Ça t'a amené où? Tout ça t'a amené où, ma fille? Il faut laisser tomber. Donc, si tu as pris vraiment cette décision, si cette décision t'est venue du fond du cœur, ne dis pas que tu as arrêté juste pour faire plaisir à certaines personnes. Et si tu as des choses à dire, prends ta caméra, allume ta caméra, parle une bonne fois. Passe ton message et tu quittes sur ça. Ne fais pas comme si tu avais peur de certaines personnes, parce que là, on sent que tu as des choses à dire, mais tu as peur. Tu as peur. Eh bien, tant que tu gardes la peur comme ça, là, tu ne pourras pas, tu pourras pas avancer. Hein. Il faut sortir de là et allume ta caméra comme tu as allumé pour porter les couches, comme tu as allumé pour insulter les gens. Allume ta caméra. Tu t'expliques, tu dis ce qui t'a poussé à prendre cette décision d'arrêter les clashs et tu demandes, tu présentes tes excuses à tout le monde. Même si ces gens-là ne t'excusent pas, Dieu verra que tu as demandé des excuses. Dieu verra que tu as demandé pardon et tu avances. Donc, en fait, voilà pour. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à la décision de Nicole. C'est la bonne décision. Si vous avez des conseils à lui donner, vous pouvez lui donner des conseils. Sûrement, elle est là avec nous, elle nous lit. Je pense que ces conseils, ça va beaucoup l'aider parce que elle a besoin des conseils. Cette petite, elle s'est vraiment égarée. Hein. Devant nous comme ça. Un matin, on peut apprendre que le pire est arrivé comme ça. Parce que moi, je connais l'Italie. Hein. Moi, si moi, je suis partie de l'Italie. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu là-bas. Voilà. Donc, il faut, quand tu es dans cette ville, il faut savoir ce que tu veux. Ce que tu veux en premier lieu, c'est les papiers. C'est les papiers. Et si possible, c'est la nationalité. Parce que c'est la nationalité qui t'ouvre les portes dans l'Union européenne. Parce que les Italiens, ils ont leur séjour. En fait, ils ont leur séjour là-bas. Parce que quand je l'entends souvent dire que j'ai mes papiers, j'ai mes papiers. Oui, elle a les papiers, mais ces papiers ne peuvent pas te permettre de venir t'installer en France. Tu ne peux pas travailler avec ces papiers. Parce que ce sont eux-mêmes les Italiens qui bloquent leur séjour là. Ils ont. C'est juste une page comme ça là, une grosse, grande feuille comme ça là, qui donne comme séjour. Alors, quand ils te donnent en italien, c'est indéterminato. Comment on dit en français? Donc. Il te donne le séjour là. Tu ne peux pas travailler. Hein? Donc tu peux rester avec le séjour là en Italie des années, vu que ça ne se périme pas. Hein? On te donne le séjour là comme ça. Mais sauf que avec le séjour là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aller dans une autre ville travailler. Déjà, même la France ne connaît pas ce papier-là parce que moi, j'ai vu, même mes enfants sont passés par là.
Quand on arrivait quelque part comme ça, ou mes enfants arrivaient quelque part comme ça, dès qu'on demandait les papiers, sortait le séjour là pour montrer. Les Français demandaient que c'est quoi ça, c'est quoi ce papier, c'est quoi ce papier. Ils ne connaissent pas ça. Donc quand tu as le séjour là-bas, ça n'arrange pas. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sortir de là. Parce que moi, je crois même que c'est ça qui la bloque même encore. Parce que si n'eût été ça, c'est qu'elle est déjà sortie de là, c'est qu'elle est déjà ici, là, à Paris, avec ses amis qu'elle a connus sur Facebook. Mais elle-même sait ce que je suis en train de dire. Si elle vient, elle ne va pas. Peut-être même si elle ne sait pas. Elle ne peut pas travailler avec le séjour de l'Italie en France. Ça reste seulement en France, en Italie là-bas, que tu travailles avec leur séjour. Donc le tout, c'est d'avoir la nationalité. Une fois que tu as la nationalité, ça t'ouvre les portes. Tu travailles, tu peux aller partout où tu veux. Tu n'as pas de problème. Donc Nicole, franchement, réfléchis à ta vie de l'Européen. Le tout n'est pas de dire que j'ai fait un enfant métis. J'ai fait un enfant métis. L'enfant métis donne quoi? L'enfant métis ne donne rien. Pense à ta vie d'avoir la nationalité, surtout pour partir de l'Italie. Hein? Pour partir de l'Italie. Tant que tu es là-bas, tu vas sombrer comme tu es en train de sombrer. Là, moi, j'étais comme ça, hein? J'étais en Italie, je sombrais, hein? Je n'étais pas bien. Hein? Déjà que pour qu'on te donne le boulot là-bas, c'est compliqué, surtout nous. Ils ne nous aiment pas. Pour qu'on te donne le boulot là-bas, c'est compliqué. Donc tu es dans une ville comme ça, déjà très très difficile, et c'est toi qui te mets à t'amuser comme tu t'amuses là. Ceux qui sont ici là en France, partout ici en France, ils sont bien. Ils ont du boulot. Il y a des petits boulots. Il y a des jobs. Ils font des petits boulots un peu partout. Mais l'Italie, c'est pas ça. C'est compliqué. Je te jure, c'est compliqué en Italie. L'Italie, c'est vraiment bien pour l'habillement. Quand tu veux bien t'habiller, tu pars en Italie. Il y a la belle vie là-bas. Mais le boulot, tout est fermé, hein, surtout pour nous. Hein. Tout est fermé. Donc, je parle même celle, la personne répond, mais même les cœurs, vous ne m'envoyez même pas. Voilà pourquoi je n'aime pas venir en direct. Parce que s'il faut que je parle celle comme ça, personne ne réagit. Même les cœurs, vous ne m'envoyez pas les cœurs. Merci. Ben voilà, je voudrais aussi vous remercier. Mes abonnés, beaucoup de mes abonnés ont compris le message par rapport au traitement. Peut-être de mots sur mes posts. Vraiment, je vous remercie beaucoup parce que je sens que le message est passé. Parce que depuis un certain temps, je ne vois plus mes posts pleins de têtes de mots comme c'était avant. Mais dis-donc, c'était avant. Ma page était presque rouge. Ma page était restreinte tout le temps à cause des têtes de mots. Donc, depuis que je passe le message, j'ai compris que vous avez compris mon message. C'est mal les têtus. Il y a certaines têtus là. Je ne fais que, dès qu'ils mettent les têtes de mort, je les ajoute sur le poste pour mémoriser leur nom. La prochaine fois que la même personne remet la tête de mort, je passe seulement récupérer la personne là-bas, je bloque. Mais sinon, beaucoup de mes abonnés ont compris le message. Ceux qui continuent à mettre les têtes de mort, c'est les nouveaux qui viennent, qui s'abonnent tout le temps. Et quand je leur explique, ils comprennent aussi. Comme j'ai toujours dit, je vais me répéter,
les têtes de mort que vous mettez, par exemple, quand vous n'aimez pas une blogueuse qui a fait la vidéo, vous venez mettre la tête de mort sur ma coupure. Elle s'en fiche. Elle ne sait même pas. Il y a même plein de blogueuses là qui ne savent même pas que je coupe leurs vidéos, qui ne sont même pas peut-être abonnées ici là sur ma page. Donc quand vous mettez la tête de mort comme ça, elle, qu'est-ce que ça peut bien faire à cette blogueuse? Moi, j'ai coupé, j'ai juste fait la coupure que j'ai ramenée sur ma page, j'ai posté. Donc quand vous mettez la tête de mort, c'est pour moi, c'est pour mon poste. Facebook considère ça comme si vous êtes contre mon poste. C'est pas contre la blogueuse. Ce que je vous demande, je peux encore vous demander de faire, quand la tête de la blogueuse ne vous plaît pas ou ce qu'elle dit ne vous plaît pas, alignez les têtes de mort sous forme de commentaires, pas sur mon poste. Sur mon poste, vous signalez plutôt mon poste avec les têtes de mort. Mettez même un cœur, mettez un j'aime. Question de m'encourager, encourager le travail que je fais, parce que couper les vidéos, là, c'est pas un petit boulot, hein. Je vous assure, hein. Moi, je suis même à bout, hein. C'est juste parce que je n'ai personne de confiance que je peux prendre comme on appelle ça, administrateur pour me faire ça. C'est un truc qui me bouffe énormément du temps. C'est un boulot très, très compliqué, hein. Couper les vidéos, faire, c'est compliqué. Et quand tu finis de faire ça, tu te rends compte que le travail que tu as fait, on vient remplir ton poste de tête de mort. Mais c'est énervant. Sérieux, c'est énervant. Ça fait plaisir quand tu trouves qu'on a mis les cœurs. Même si vous détestez la personne qui a fait la vidéo, ou vous détestez ce que la personne est en train vous êtes contre ce que la personne est en train de dire. Le tout n'est pas de mettre la tête de mort. Faites les commentaires comme les autres. Moi, je vois même plein de personnes là qui font des commentaires, qui n'ont même pas besoin de mettre les têtes de mort. Qui mettent même un j'aime, même s'ils sont contre, ils mettent même un j'aime. Quand vous mettez le j'aime, c'est pour moi, c'est pour mon poste. Donc, je vous remercie parce que il y a un grand changement. Quand j'ai le rapport de Facebook, j'entre dans l'historique de leur truc là, je ne sais même pas comment ils appellent ça. Il y a moins de têtes de mort. C'est là où je me rends compte que mon message passe. Et je ne cesserai jamais de passer toujours ce message. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Certains comprennent, hein, mais ils me disent carrément, je vais toujours mettre les têtes de mort tant que tu postes telle personne. Mais vas-y, mettre les têtes de mort sur ces blogueuses, elles ont leur page. Hein. Quand elles font les directs, va aller mettre les têtes de mort là-bas. Ce n'est pas sur mes posts. Donc, je vous remercie beaucoup parce que le message est passé. Il n'y a plus, je ne vois plus les têtes de mort. Merci beaucoup. Alors, vous ne parlez pas, il n'y a pas de questions, vous n'avez rien à me dire. Et pourquoi tout le temps vous me demandez toujours de venir en direct? Si c'est pour venir en direct, rester comme ça, parler seul, c'est compliqué, hein? Quand je viens, c'est pour discuter avec vous, non? Faites-moi vos remarques ici, il y a certains qui me font des remarques là. Certains me font des remarques. Tu appartiens à quelqu'un? Tu es de quel team? On a vu que tu publies plus les vidéos de telle personne, de telle blogueuse. Tu ne publies pas pour les autres. Franchement, moi, je ne sais même plus. Je publie les vidéos de tout le monde. Le problème pour moi, c'est que moi, je ne coupe pas les vidéos parce qu'il faut couper. C'est-à-dire que pour moi, il faut d'abord que le message passe. Ce que je cherche sur les dits de la blogueuse qui a fait la vidéo.
quand j'ai un message qui attire d'abord mon attention, un message, c'est là où je coupe la vidéo. Je ne coupe pas les vidéos parce qu'il faut couper. Et puis, ce que vous devez aussi savoir, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on coupe aussi leurs vidéos. Hein. Il y a des gens, certaines personnes m'ont contacté en inbox que ne coupe plus jamais, mais ne coupe plus mes vidéos. Et quand tu me dis ça, je respecte. Parce que je ne voudrais pas que tu ailles signaler ma page comme une là, qui fait même la saleté sur Facebook. Quand elle coupe aussi les vidéos comme moi, quand elle coupe ta vidéo comme ça, là, le titre de son message, elle-même t'insulte d'abord, elle te descend comme c'est pas permis. Mais ce qu'elle fait aux autres, elle n'aime pas qu'on lui fasse ça. J'avais publié sa vidéo, deux de ses vidéos. Elle a vu que les gens l'ont ramassée. Elle est partie me signaler. Hein. Elle m'a signalé, c'était en début de l'année, là, au mois de janvier. Elle a signalé ma page. Pour la première fois que Facebook restreint ma page était au rouge, à moins un, je perdais ma page. Hein. Elle a signalé ma page. Et Facebook a restreint ma page pendant un mois, je pense, un mois, 2 semaines. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire sur ma page. Tout était bloqué. Et Facebook m'avait envoyé le message. Ils m'ont dit, parce que quand vous signalez, Facebook envoie le message, on dit, la personne qui a signalé, hein, on dit que tel a signalé, par exemple, la vidéo, droit de l'image, parce qu'elle avait demandé le droit de l'image et le droit de si ce quoi, de sa voix, un truc de ce genre. Bon, Facebook m'a dit que si je veux contester, que je retourne vers, que je contacte cette personne, vu que Facebook t'envoie tout. On m'avait envoyé ses coordonnées, tout. Ils me disent, il faut contacter la personne. Si vous vous arrangez avec cette personne, on lève la sanction. C'est cette personne qui doit revenir vers nous, nous dit, bonsoir Gisèle. C'est cette personne qui va revenir vers nous, nous dit que vous êtes arrangé et nous, on va lever la sanction. Je suis parti vers elle, je suis parti sur son mur. J'ai pris son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. En plus, ma soeur bamoise. Je l'ai appelé. J'ai dit, ma soeur, pardon. Pardon, et je ne ferai plus jamais ça. Si tu ne veux pas que je publie tes vidéos, je ne vais plus le faire, pardon. Réponds à Facebook, que Facebook lève la sanction. Un mois, 2 semaines pour ne rien faire sur ma page, c'est énorme. Elle a carrément refusé, hein. Elle l'avait refusé. Elle a refusé. Et plutôt ce jour-là, c'est la morale qu'elle me faisait. Oh, tu sais, ma soeur, il y a des gens ici qui n'aiment pas qu'on coupe leurs vidéos. Par exemple, telle blogueuse, telle, il ne faut jamais couper ses vidéos parce qu'elles vont te. Je dis, pour le moment, je suis avec toi. Pardon, réponds à Facebook. Je suis ta soeur, non, réponds à Facebook, qu'on lève la sanction. Elle a refusé, hein. Je vous assure que depuis là, depuis le mois depuis le mois de janvier, c'est depuis le mois de janvier qu'on a Facebook avait restreint ma page, comme elle avait signalé. Mon compte Facebook est toujours restreint jusqu'à présent. Je ne sais pas comment on peut faire pour enlever ça. Toujours restreint par rapport à elle, vu que c'est son signalement, on a mis là mon compte Facebook. Personnel, ça ne vit plus comme ça vivait avant. Hein. Quand je publiais là-bas, il y avait plein de gens qui commentaient, des gens, mais depuis là, quand je publie même, vu que c'est restreint, je ne sais pas qui peut m'enlever ça. Vous voyez comment les gens sont mauvais ici. Ce qu'elle a fait, elle passe toute la journée, elle est connectée sur Facebook, elle insulte les gens.
elle coupe leurs vidéos, elle s'enrichit avec leurs vidéos. Et tout ça, quand... Est-ce que moi, quand vous me voyez couper les vidéos, est-ce que vous me voyez manquer du respect à l'une des blogueuses? Jamais. Je coupe juste les vidéos, je manque du respect à personne. Mais elle, elle passe le message, elle te descend d'abord bien, elle-même te lave d'abord bien comme ça là. Elle poste ta vidéo. À elle, on ne lui demande pas, on ne signale pas. À Facebook, on ne lui demande pas le droit d'image. Mais elle, elle m'a fait ça. Et jusqu'à présent, mon compte Facebook est restreint. Donc, les gens sont mauvais, franchement. Bon, envoyez les cœurs. Envoyez-moi les cœurs pour que je continue à parler. Je parle seul. Même les cœurs, vous n'envoyez pas. Personne ne réagit. Et j'étais en train d'expliquer un truc là avant de faire allusion à cette blogueuse qui avait signalé ma page. J'étais en train de dire que il y a plein de mes abonnés qui me ramassent ici hein, en commentaire. Hein. Je vois hein, où tu plies plus les vidéos. Pourquoi tu... C'est seulement les vidéos de telle personne que tu coupes parce que tu la détestes. Pourquoi tu ne coupes pas pour les autres? Pourquoi tu appartiens à tel clan? Tu es dans... Moi, je vous ai déjà dit que vous ne devez pas me forcer à appartenir à un clan. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je ne ferai jamais partie d'un clan. Je suis là pour couper mes vidéos. Je coupe tout simplement les vidéos. Et je ne manque du respect à personne. J'aime toutes mes sœurs. Je les aime toutes. Ce qui fait que si elles ne font pas les vidéos, même aujourd'hui, nous, les pages là, nos pages ne vont plus vivre, surtout moi. Ma page ne va plus vivre, je vais encore couper les vidéos. Donc si je déteste déjà la blogueuse qui fait les vidéos, pourquoi je dois prendre ces vidéos alors pour couper? Moi, c'est juste pour animer la galerie. Hein? La preuve, quand on met la tête de mort sur la coupure de vidéos de compresseur, la même remarque que j'ai fait quand on met la tête de mort sur la vidéo de la MAFO, la PDG. C'est la même remarque que je fais quand on met la tête de mort sur la vidéo de Lolo. Donc, si j'avais un parti pris, j'allais laisser... On met les têtes de mort même sur les vidéos de les coupures de compresseur. J'ai dit, ah, comme je la déteste, mettez, je laisse comme ça là. Mais non! Parce que comme je ne déteste aucune d'entre elles. Je ne les déteste pas. C'est pour ça que je suis contre. Même des personnes que je connais. Parce qu'il y a plein de mes abonnés ici que je remarque depuis la création de ma page. Ils sont là avec moi. Ils sont fidèles là sur ma page. Je les connais déjà. Quand celle-là s'égare, même comme ça, elle met la tête de mort. Ou bien celui-là s'égare. J'attire ton attention. Je ne te bloque pas, j'attire ton attention. Pourquoi tu dois comprendre que je n'ai pas un parti pris parce que c'est toi. Comme tu as mis la tête de mort, je dois laisser ça comme ça. Non. Je n'ai pas de parti pris. Je n'appartiens à aucun clan. Moi, je suis neutre dans vos choses de Facebook. Je fais juste mes coupures de vidéos, juste pour animer la galerie. Parce que déjà, j'aime ce que je fais. C'est un perte-temps pour moi. C'est une distraction. Ça ne veut pas dire que je déteste quelqu'un. Je n'ai pas la place là pour la haine dans mon cœur, non. Je n'ai pas ce temps-là. Et j'ai remarqué aussi... Il suffit seulement que je dépose un petit commentaire quelque part. Ça, déjà même,
Facebook nous exige. Il y a des messages. Vous ne pouvez pas voir ce que nous, on voit. Si vous êtes peut-être administrateur, vous allez voir. Facebook nous envoie des notifications que quand un abonné fait les commentaires, donc tous vos commentaires que vous faites là, selon Facebook, je serai en train de répondre à tout le monde. Dès que tu déposes un commentaire comme ça, moi je viens, je réponds. Mais non, moi j'ai dit que si c'est pas là où Facebook ne va bloquer ma monétisation, qu'il ne me paye pas, mieux il ne me paye pas. Juste pour éviter des problèmes, je ne réponds pas aux commentaires parce que je me dis, je vais aller répondre à un commentaire là. Je ne sais pas qui je vais indexer par rapport à mon commentaire. C'est pour cette raison que j'évite de répondre aux commentaires. Mais pas pour moi. Ça peut m'arriver, c'est les rares fois même, hein, que ça m'arrive comme ça de répondre à un commentaire. Ouh là là! Dès que je dépose seulement mon commentaire là, tous sont déjà derrière moi. Ah, on a vu. On a vu de quel côté tu es. Pourquoi tu as répondu comme ça? On a vu. On se doutait bien. On a compris. En fait, moi, je ne suis plus libre de commenter sur ma page. Je ne suis plus libre de dire un mot parce qu'on va toujours me ramener dans ça que nous savons dans quel camp tu appartiens, tu es avec telle personne, tu es avec telle personne. Sincèrement parlant, je ne comprends pas. Il y a un profil là que je respecte beaucoup, que j'aime. Par rapport, quand je dis j'aime son profil, c'est par rapport à ses écrits. Parce que déjà, lui, il ne manque pas du respect aux gens. Il ne me... Chaque fois qu'il intervient ici sur ma page, en fait, ses interventions, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. C'est là où il vient pour vous raisonner. De temps en temps, il se connaît même souvent ici sur mes directs. Je ne peux pas donner son nom. J'ai son nom là, mais le nom de son profil. Il a dit plusieurs fois ici qu'il me connaît en vrai. Il me connaît bien comme ça là, en vrai. Bon. Alors lui, ça ne fait même pas. C'était quand? La semaine passée, il m'a ramassé. Hein? Je suis venu répondre à... Pourtant, je sympathise bien avec lui. Hein? Pourtant, quand je fais les directs ici, là, il est souvent là, on échange bien comme ça. Il me dit qu'il me connaît très bien, mais... Il reste dans l'anonymat. J'ai dit, ok, je respecte ça. Et qu'on a même déjà mangé ensemble. Bon, je respecte. Il y a un faux profil, il faut respecter ça. Et même si je le connaissais, c'est pas à moi de venir dévoiler un faux profil. Hein. On respecte les faux profils. Quand quelqu'un a décidé d'être un faux profil, ça veut dire qu'il a ses raisons à lui. Pourquoi venir dévoiler son faux profil? Donc, je disais alors que la semaine passée là, il m'a ramassé. Hein, parce que, qui a même fait un commentaire là? Il y a l'une de mes abonnées qui a fait il y a l'une de mes abonnées qui a fait un commentaire. Alors, je suis venu répondre à ce commentaire. Juste une petite réponse comme ça. J'ai répondu. Il est venu m'a ramassé. Il me dit, tu dis que celle-là n'a pas de cheveux. On parlait du général de Madokas. Il dit, tu dis que celle-là n'a pas de cheveux. Celle que vous... c'est quel mot qu'il a même encore utilisé? Celle que vous glorifiez ou quoi. En fait, il parlait de nous tous, on sait, nous savons, il parlait de la PDG. Celle que vous glorifiez là, ou bien celle que vous... Elle a déjà enlevé sa perruque un jour sur sa tête. Celle que tu glorifies ou quoi. C'est là où je suis venu lui dire que... Je lui ai répondu, il a... On s'est un peu échauffé là. Je lui ai dit que pardon, je n'ai pas prévu ça. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Surtout qu'il est quelqu'un que je respecte beaucoup sur ma page. Il est là depuis mes débuts. Il est là. Je ne lui manquerai pas du respect par rapport à ça. Donc en fait, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'interdiction de commenter?
Donc, si je commente seulement comme ça, là, les gens vont prendre ça autrement parce que je fais partie d'un clan. Moi, je ne fais partie d'aucun clan. Je suis neutre. Vraiment neutre sur les choses de Facebook. Je fais juste mes coupures de vidéos, hein, point barre. Le reste, même vos commentaires que vous faites, hein, les commentaires que vous venez déposer là-dessus, mes coupures, je ne suis pas responsable de vos commentaires et de vos dits. Non. Je ne suis pas responsable. Hein. Mais moi, je ne manquerai jamais du respect aux blogueuses que je coupe des vidéos, leurs vidéos. Je coupe déjà leurs vidéos et je n'ai pas ce droit de leur manquer du respect. Donc, si elles ont déjà rendu public leur direct, c'est pour nous amener à couper leur direct et poster, rendre ça public aussi sur nos pages. Je ne vois pas de mal en ça. Au contraire, ça donne aussi la visibilité à cette personne. Quand on coupe même tes vidéos, il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas toutes ces blogueuses. Mais du moment où on coupe déjà ta vidéo, tout le temps on coupe ta vidéo, on poste là, ça amène les curieux à te connaître, à connaître aussi ta page. Moi, je ne vois pas du mal à ça. Bon, envoyez-moi les cœurs, sinon j'arrête mon direct. J'ai trop parlé, non. Hein, mes cœurs, tout le temps, vous dites que je dois venir en direct. Je viens en direct, vous me laissez parler seul comme ça. Il n'y a personne qui intervient même. Même les cœurs, vous n'en voyez pas. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Merci. Bon, on va parler de l'association, mon association Mbamoi autour du feu. Pour ceux-là qui ne savent pas, je ne fais pas seulement dans les coupures des vidéos, hein. Je fais dans l'humanité. Je pense que vous voyez les images que je poste tout le temps. Je fais dans l'humanité. Donc, j'ai une association à l'aide à l'humanité. Nous faisons juste à l'humanité. Nous faisons juste... en fait, les dons, chaque année, on remet les dons. On remet les dons et tout se passe par les votes des membres. Quand on nous apporte des photos comme ça, en début, par exemple, comme ce novembre-ci, parce que nos dons, on donne les dons chaque année dans mon association. Au mois de novembre, fin novembre, on a déjà remis le don. Donc, ça se passe par le vote des membres, comme je venais de vous dire. Les gens nous envoient des images. On choisit donc ces images-là. On passe par les votes. L'image qui va gagner plus de votes, le don va aller dans ce village-là. Mais on ne repart pas deux fois dans un même village. Les villages qu'on a déjà eu à faire, les dons là-bas, on ne repart plus pour la deuxième fois. Donc, c'est en novembre-ci, nous avons un don à faire
dans une paroisse, comment ils appellent ça, la chapelle, une petite chapelle abandonnée, dont les gens de ce village nous ont demandé de refaire les travaux, donc en fait de reconstruire la chapelle. C'est pour ça que vous me voyez souvent poster des images. J'ai même mis dernièrement le numéro de téléphone de Orange Money, que les gens qui peuvent nous venir en aide, peu importe ce que vous pouvez nous donner, ça va toujours nous aider. Donc nous devons construire cette chapelle-là d'ici le mois de novembre. Certaines personnes ont commencé depuis à envoyer leur contribution. J'ai juste oublié de mettre le numéro orange, quoi, là. Ici, là. J'ai complètement oublié. J'oublie même parfois de mettre. Donc, j'ai fait donc dans l'humanité depuis 13 ans. C'est la 13e année. C'est la 13e année. 2024, si, le mois d'octobre, ça va faire 13 ans que je fais dans l'humanité mon association. L'association est légalisée au Cameroun, à la préfecture de Bafia. Nous faisons dans les dons, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous sommes, je crois, à notre 10e ou 11e don. On a conçu des écoles. On a conçu, je pense, 3 ou 4 écoles. On a construit des écoles à Ndiki, à Baliama, à comment on appelle le village? Mbepe. On est passé un peu partout, des orphelinats, la prison de Bafia, le centre de santé de Tchekani. On est parti remettre le don là-bas, les lits, matelas, beaucoup de choses qu'on a remis à l'hôpital. Je poste toujours des images ici, vous-même vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Donc, je vous appelle, vous mes abonnés, aidez-moi à construire. Cette chapelle, vous allez voir les images. On fera les photos comme des images que vous voyez d'habitude. Vous allez voir la chapelle. On ne raconte pas des histoires. Ce village attend de mon association qu'on relève leur chapelle. Et moi seul, franchement, je ne peux pas faire ça. Même les membres de mon association, nous. Seulement, nous ne pouvons pas faire tout ça seul. C'est pour ça que je vous interpelle si vous pouvez nous apporter un plus. Je vais toujours mettre le numéro de Orange Money. C'est comme ça qu'on dit Orange, quoi là. Donc, quelqu'un qui a quelque chose à envoyer, il envoie. Peu importe la somme, ça va nous aider. D'ici le mois de novembre, il faudrait qu'on réalise ce don. J'ai eu tellement de promesses ici. Il y a certains de mes abonnés que je ne maîtrise pas, qui m'ont promis que le moment venu, ils feront quelque chose. Mais si ceux-là m'écoutent, vous savez, diriger, comment je peux dire ça, prendre le contrôle de 19 000 abonnés, c'est pas évident, hein. Je remarque certains, je remarque pas tout le monde, je peux pas remarquer tout le monde. Donc, il y a beaucoup qui m'ont fait des promesses ici. Donc, si vous m'écoutez bien, si vous m'écoutez là, pardon, je vais toujours mettre le numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer votre contribution. Ça va nous aider. Les gens souffrent au Cameroun. Si vous voyez cette paroisse, cette chapelle là où
nos parents, nos frères, nos soeurs, nos mamans, là où ils vont prier Dieu. Ça fait vraiment pitié. Quand on nous avait envoyé ces images, c'est passé, on a voté. Mais là, il faut qu'on réalise que ça soit fait d'ici au plus tard, en décembre. Les travaux doivent commencer en novembre pour finir au plus tard en décembre, pour que les fidèles puissent passer la fête de Noël dans cette chapelle avec notre don. Je vous en prie, envoyez tout ce que vous pouvez. C'est comme quand vous partez à l'église, l'offrande que vous donnez. Peu importe ce que vous donnez, c'est Dieu qui voit et Dieu n'a pas d'exigence sur le don, l'offrande que vous pouvez donner. Non, voilà. Envoyez les cœurs, non? Envoyez-moi les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, je vais couper le direct. Ou bien si quelqu'un veut monter, si quelqu'un veut intervenir. Vous aimez le Congo-Sa, si c'était le Congo-Sa qu'on faisait ici, qu'on est en train de s'engueuler ici, ouh, ce qu'il y a, c'est que le direct est plein. C'est vous, je pense même que c'est vous qui poussez nos soeurs à faire des guerres, parce que ça vous alimente beaucoup. Parce que depuis que je parle là, ça ne vous intéresse pas. Alors si c'était les querelles ici que je suis en train d'insulter, ouh, ce qu'il y a des gens qui sont même déjà montés dans le direct pour être dévés. Vraiment, je dis les Camerounais. Les Camerounais aiment trop le Congo-Sa. Et comme ce n'est pas le Congo-Sa, alors personne n'est intéressé. Personne n'est intéressé à ce que je suis en train de dire. Alors que si j'étais en train d'insulter là, oulala, ce que... C'est que le direct est inondé ici des persos. Bon, je vois que mes gens qui animent souvent le direct ne sont pas là. Donc, personne ne réagit là. Moi, je pense que je vais vous laisser. J'ai mes gens qui animent souvent le direct ici quand je suis en ligne. Je discute avec eux. Là, je vois qu'il n'y a personne. Sûrement, les blogueuses là sont en ligne. Tout le monde est là-bas. Donc, je vais couper. Si les blogueuses là ne sont pas en ligne, je vais revenir. Parce que là, je ne vois personne. Je pense que nos stars sont en ligne. Voilà pourquoi je ne vois pas mes gens qui commentent souvent ici. Pardon. Donc, je vais couper. Peut-être que je vais revenir.